Il accompagnait les candidats de mariés au premier regard. Selon les informations dévoilées par nos confrères de Télé Loisirs, Pascal de Souterre, psychologue clinicien présent dans le programme de M6, aurait décidé de quitter l'émission et de ne pas rempiler pour la saison prochaine. Après 6 ans de bons et loyaux services, le professionnel de santé aurait souhaité prendre le large, tout comme Stéphane Edouard, Catherine Solano ou encore Jean-Luc Beaumont. Il a ainsi dévoilé les raisons de son départ. « J'avais envie de revenir à mon corps de métier, qui consiste à aider les hommes et les femmes à être plus épanouis. E.S. dans leur vie amoureuse et sexuelle, commence-t-il par expliquer ?» Pascal de Souterre précise également ne pas avoir été mis à la porte. La production a toujours été très contente de mes prestations. Si est-il moi qui ai décidé de reprendre mon temps. Comme Marié au premier regard me prenait un peu de temps, il était temps que je passe le relais. Mais alors qui pourra remplacer ce mythique psychologue de Marié au premier regard? Je pense que si estime mieux qu'elle choisisse elle-même. Je ne vois pas au nom de quoi je devrais interférer avec ce genre de choix. Bien décidé à partir, le psychologue né n'oublie pas les bons moments qu'il a passés dans l'émission. Pascal de Souterre ne regrette rien en effet, Pascal de Souterre confie, au début, c'était vraiment un super défi. Les gens ont tendance à l'oublier, mais l'émission a fait polémique au début. Maintenant, s'y est-il installé dans le paysage audiovisuel français? Je suis très content qu'on ait tenu le cap avec toute l'équipe pendant toutes ces années. Si est-il aujourd'hui une affaire qui roule très bien. En ce qui me concerne, j'avais envie de revenir à mon corps de métier, qui consiste à aider les hommes et les femmes à être plus épanouis. E.S. dans leur vie amoureuse et sexuelle. Comme Marié au premier regard me prenait un peu de temps, il était temps que je passe le relais. Après 6 saisons, si est-il bien d'avoir un peu de nouveauté.